La question de l'emploi est évidemment une question essentielle pour Saint-Étienne et son agglomération. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup travaillé avec mes équipes pour transformer le site de la Manu ici et faire revenir des emplois de service, des emplois dans le secteur des médias, du numérique, des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, il y a 750 personnes qui travaillent ici sur l'ancien site de la Manu, où il ne restait qu'une trentaine ou une cinquantaine d'emplois il y a une dizaine d'années. Il faut poursuivre dans ce sens, ce sera l'objectif naturellement du prochain mandat, continuer à soutenir les entreprises qui innovent, des pépinières d'entreprises, nous en avons une ici à côté de moi, soutenir le développement technologique, le développement universitaire, parce que ce sont là que se créeront les nouvelles activités et les nouveaux emplois de demain. Il faut qu'en 2020, il y ait 1500 ou 2000 salariés sur ce site, autour des activités, des industries, des services du 21e siècle. C'est l'action que je m'engage à poursuivre avec Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole, en investissant toujours pour de nouvelles activités, pour de nouveaux emplois, de nouvelles possibilités d'insertion des jeunes dans le travail à Saint-Étienne.